tu avances, tu recules, comment veux-tu, pas chasser. La tête est foutue dans la tête. Qui a des coups dans la tête? Qui a des coups dans la tête? Qui a des coups dans la tête? Papa Dorto, à 5 et 10. La prochaine fois, je prends un tabouret quand même. Angélique, jusqu'à présent, des poutres, on n'avait pas. En revanche, je sais que ta maman travaille dans une friterie. Hein. Faudra lui dire, l'huile, c'est pour les frites, Angélique. Et quand on est petit, on fait souvent semblant de loucher. Hein. Nos parents nous disent, arrête, c'est un courant d'air, tu vas rester comme ça. Moi, j'en ai déduit, par exemple, que Davida Jodassin ont souvent chanté en extérieur. Garçons naissent dans les choux, les petites filles dans les roses. Bravo. Moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai cru que pour être sage-femme, il fallait faire un BEP horticulture. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais les jeunes aujourd'hui, 15 ans et des filles pour les retraites. C'est comme si nous, à 70 ans, on postulait pour faire un BTS en alternance. D'été ou des résidences d'hiver, hein, ça nous est tous arrivé. Bon, à part les pauvres, bien évidemment. Et c'est vrai que quand tu arrives dans ces résidences, il y a une personne qui te donne toujours un plan. Un plan d'accès pour aller à l'accueil. Généralement, le plan, tu ne maîtrises pas. C'est une chasse au trésor, le plan. Généralement, dans ta tête, tu te dis, j'espère que Dora l'exploratrice va venir m'aider. Mais cette petite putain de zappe, tu vois, hein. Et là, tu arrives quand même à trouver l'accueil, tu vois. Puis là, tu vas voir. Tu as une file d'attente avec 10 personnes. Tous ces gens sont en vacances. Et tu sens de la tension. Un mec te double, tu lui exploses la tête. Dans ton corps, il y a Bruce Willis, Spidey, Stallone. Tu vois, claque. Alors, à savoir que je ne suis pas né dans une famille de forains. Hein. Donc, j'ai d'abord suivi un enseignement à l'UFM, l'Institut universitaire des forains de métier. Alors, cet endroit où on tape. Bah, où t'apprends différentes matières, hein. Donc t'apprends à manier le pompon dans les manèges pour enfants, à crier sur les ch'tis, à réparer des autotamponneurs. Alors l'enseignement, le très important, l'enseignement des phrases clés. Hein. Par exemple, bienvenue à l'autrice Sabrina, pas de perdant, pas de gagnant. Les cheveux dans le vent, devant dans les cheveux, dans le jeu, ça. Alors à savoir que chaque phrase clé correspond à un manège. Hein. Rien ne sert de dire les cheveux dans le vent, le vent dans les cheveux, si tu tiens un stand de tir à la carabine.